Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a participé à un enterrement à Kikem, à la frontière Douala et l'Ouest. Je pense que c'est dans le Haut-Kam, si je ne me trompe pas. Et puis, j'ai publié cette vidéo sur cette plateforme. Certaines personnes sont venues me faire savoir que c'est parce que c'était au deuil qu'une foule impressionnante est venue accueillir Samuel Eto'o fils. Pour faire croire que si ce n'était pas au deuil, Samuel Eto'o fils ne devrait pas aussi être, enfin, une foule aussi impressionnante ne devrait pas être autour du président de la Fédération camerounaise de football. Vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore douter de la popularité du président Samuel Eto'o? Non, mais soyons un peu honnêtes. Moi, je veux faire cette vidéo, elle ne doit pas être longue, hein? Je voudrais un peu juste qu'on apporte un peu cette petite précision. Aujourd'hui, si on va discuter de tout, si on va reprocher quelque chose à Samuel Eto'o, ce n'est pas sous cet angle-là. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'il y a même Coupe du Cameroun, qu'il y a un club du Cameroun qui doit jouer contre l'autre à la finale au stade Amadou Ahidjo, et que le président de la République doit être présent. Vous voyez, le protocole se rassure toujours que le président de la Fédération camerounaise de football soit un peu isolé quelque part là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Likez la vidéo, je vous en prie, s'il vous plaît. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce qu'il y a les sorciers ici là. Il y a les sorciers ici. Ils ne veulent pas reconnaître la puissance et la popularité du meilleur buteur. Je dis du meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps. Bon, du Camerounais, bon. Le meilleur buteur des Lions Indomptables de tous les temps avec 56 buts. Vous voyez? Le meilleur joueur africain de tous les temps. Vous comprenez? Je vous posais une simple question. Vous avez déjà assisté ou bien même voir à la télé la finale d'une coupe, coupe du Cameroun? Que ce soit le premier ministre qui soit présent, qui représente le président de la République, mais soit le président de la République, qui soit lui-même personnellement. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi le président de Samuel Eto'o, c'est-à-dire que lorsqu'il doit entrer, on se rassure qu'il entre en catimini? Parce qu'en fait, le gars est populaire. On ne veut pas que devant le président de la République, tous les supporters du stade écrivent le nom de Samuel Eto'o devant le stade, le président de la République. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le gars là, lui-même, il se pose souvent la question à savoir, mais les gens s'il a même comme ça, pourquoi? Le gars là, je me pose moi-même la question, le gars là n'a pas peur de l'amour que l'immense majorité des Camerounais lui portent? Eh les gars, Samuel Eto'o fils va à Kikem pour assister aux obsèques, je crois, de la mère de Neo Industries. Qui connaît le patron de Neo Industries? C'est un milliardaire, hein? un homme de l'Ouest milliardaire, multimilliardaire, PDG de plusieurs entreprises au Cameroun. Je ne veux pas citer les entreprises. Vous comprenez? Lorsqu'il arrive, Samuel Eto'o fils arrive aux obsèques, avec Roger Mila, je précise, il était avec Roger Mila. Hein? Roger Mila est arrivé inaperçu. Je vous précise bien, pour que vous voyez, vous essayez un peu de faire le distinguo. Roger Mila était à ses obsèques et Samuel Eto'o était également là. Roger Mila est arrivé, il est arrivé comme toute autre personne, comme moi qui arrive à un deuil. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que je suis là. Comprenez? Samuel Eto'o fils est arrivé. C'était comme si c'était le moment de l'enterrement. Vous voyez, quand on porte le cercueil, on est en train de marcher avec, il y a les foules en liesse là. Ça m'est arrivé comme ça, comme c'était lui le responsable du deuil. Et vous voulez dire que c'est parce que c'était au deuil? Vous avez vu Samuel Eto'o fils à Yaoundé, à Douala? Quand Samuel Eto'o fils se déplace, il se déplace maintenant qu'en cachette. Parce qu'en fait, il ne veut pas qu'on lui prête, n'est-ce pas, du désordre à l'ordre public, ou bien c'est quoi à l'ordre public là? Il ne veut pas qu'on lui prête ça. Quand il marche maintenant qu'en cachette là. Donc, si on veut parler de popularité ou bien de quelqu'un qui est capable de réunir les foules au Cameroun, je vais vous citer quelques-uns. Au Cameroun, il y a trois personnes qui sont capables de réunir les foules impressionnantes. Trois personnes, ils sont seulement trois, il n'y a pas autre chose. Selon moi, ils sont seulement trois. Un, il y a le président du MSC, Maurice Kamto. Deux,
il y a Samuel Tofis. Trois, il y a le président de la République, Paul Biya. Ce sont les trois qui sont capables de réunir les foules au Cameroun. En dehors de, je ne vois plus personne. Dites-moi une autre personne, en dehors des trois que j'ai cités là, qui sort là. Et puis vous voyez pas les... citez-moi des autres personnes. Comme ils sortent là, vous ne voyez pas les foules. Bien, vous voyez les foules. Citez-moi un peu en commentaire. Non, il faut que certaines personnes arrêtent un peu. Hein? Même les personnes qui passent le temps à insulter sa mère, ton fils là. Lorsque vous organisez vos propres anniversaires, même ton meilleur ami ne vient pas. C'est-à-dire que tu organises ton propre anniversaire. Tu cours, c'est-à-dire que tu envoies le carton d'invitation à ton ami. À tous tes amis, tes meilleurs amis, tes connaissances. Ils ne viennent même pas à ton propre anniversaire. Et tu vas te placer dans les commentaires pour insulter sa mère, ton fils qui a réussi sa vie. Quelqu'un qui n'a même plus rien à prouver aux yeux du monde. Quelqu'un qui reste comme ça, l'argent travaille pour lui. Non. Non. Sans sérieux. Samuel Eto'o se lève, il marche seulement comme ça, vous voyez, les gens sont derrière lui. C'est un peu comme la poule et les canards, et les canetons. C'est-à-dire que la poule et... Qu'est-ce que je dis, la poule et les canetons? La poule et ses poussins. C'est clair, c'est une certitude, les gars. Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez un peu comprendre que non, là, il faut arrêter un peu avec la malhonnêteté. Samuel Eto'o fils, sa popularité n'est plus approuvée au Cameroun. Donc, quel que soit le pays où le gars se trouve... Il est populaire. Il a assis sa popularité. C'est de ça qu'il est question. Donc, les amis, likez la vidéo massivement. Il faut sécuriser la vidéo. Parce qu'il y a les ennemis de Samuel Eto'o fils. Lorsqu'il vient, il déjaime la vidéo. C'est-à-dire qu'il délike, il dislike la vidéo. Vous comprenez? Vous devez sécuriser la vidéo en likant. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Si vous n'avez rien à dire, il faut dire merci pour la vidéo. Et soutien total au président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Alors, pour ceux qui veulent gagner de l'argent, moi j'organise une formation sur comment monétiser sur les réseaux sociaux, comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, comment créer des comptes Facebook, YouTube et TikTok et générer les revenus avec cela. Vous comprenez? Parce qu'en fait, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, ça nous permet également de générer les revenus à travers des placements de produits, à travers des publicités, etc. C'est la raison aussi pour laquelle lorsque nous soutenons la cause de Samuel Eto'o fils, certaines personnes viennent nous dire que c'est parce que Samuel Eto'o fils nous a payé pour que nous puissions, n'est-ce pas, communiquer pour lui. Non. Nous communiquons, nous faisons notre travail, et puis certaines entreprises peuvent venir nous faire confiance et décider de demander à ce qu'on fasse, n'est-ce pas, le placement de leurs produits. Alors, moi j'organise une formation, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent gagner de l'argent sur le système de monétisation sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et TikTok. Donc, si tu veux participer, contacte-moi via le numéro qui est sur cette page et je te donnerai plus de modalités. À très bientôt.